passe bien une journée pour Jean-Marc Bourdeau à la conduite de cette belle vache Cotopière. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais l'angle de la caméra est assez intéressant. On voit bien la comparaison des vaches, on voit bien le numéro, donc tant mieux, ça va nous aider à passer une bonne journée et à bien regarder les résultats. A really nice udder pair of milking yearlings to start our cow show here today. Both cows with wide, veiny, capacious udders. Our first place cow is just a little more overall cow today. She's a little taller, she's a little longer, and just shows us a little more breed character up through her head and neck and her chine. I just prefer the way her tail sets down between her pins over this beautiful uddered heifer we have in second. Heifer in second, a heifer with a lot of capacity, quality, and veination to that udder. And it's that udder quality that carries her over our second place heifer. Just a lot more volume, a lot more width all the way through than our third place heifer. Third place heifer, a nice tall fronted, stylish heifer. Heifer who moves out a little better on her rear feet and legs today than our fourth place heifer. And just showing us a little more desirable size and shape of teat and depth of seam than this tall fronted heifer we have in fourth. She's just a little more overall heifer, just a little more cow all the way through than our fifth place heifer here today. But a real nice class of milking yearlings to start the show. Thank you. Les raisons du juge Farlinger pour l'Atlas d'un an senior à lait dans le concours rouge et blanc. La vache en première position l'emporte aujourd'hui pour son ouverture. C'est une vache qui démontre plus d'ouverture, plus de longueur en général. C'est une vache qui est plus féminine, qui démontre des meilleures attaches de son système mammaire que la bonne vache qui se présente en deuxième position. La vache en deuxième l'emporte sur la vache en troisième. Une jeune vache qui démontre plus d'ouverture au niveau de ses côtes, plus de force au milieu, plus de force dans son corps. Une jeune vache qui démontre aussi plus de qualité, plus de largeur dans son pied. La vache en troisième l'emporte sur la vache en quatrième. C'est une jeune vache qui se déplace mieux, qui a un ligament mieux défini et qui a une grosseur et un placement des traillons plus favorable par rapport à la vache en quatrième place. Et la vache en quatrième l'emporte sur la vache en cinquième. C'est une jeune vache qui démontre plus de style dans son déplacement et plus d'auteur au garrot que la vache qui se présente en cinquième position. The results of the milking yearling class following in your catalogues. Les résultats de la classe d'un an senior en lait en suivant dans vos catalogues. Number 59 is second, 59, deuxième. Number 60 is first, best udder and best bred and owned. Numéro 60 est première, meilleur pied et meilleure propriété élevée. 61 is sixth, 61, sixième. 62 is third, 62, troisième. 63 is fourth, 63, quatrième. And number 64 is fifth et le numéro 64, cinquième. Six head were shown in the class, six têtes furent exposées dans la classe. The summer two-year-old milk class is sponsored by Donnelly Holsteins. Alors, la classe de deux ans d'été en lait, c'est une commandite de Donnelly Holsteins.
vous êtes d'accord avec moi, on a pu voir déjà dans cette classe un an senior en lait, beaucoup de développement. La première spécialement, c'est les raisons du juge. On arrive avec des tards un an senior en lait aujourd'hui qui sont développés de façon exceptionnelle. On a aussi dans les rouges, une population qui s'améliore rapidement. Beaucoup de belles jeunes vaches. Donc une classe de 3 bêtes là, pour la prochaine classe dans les 2 ans juniors. Pardon, dans les 2 ans été. Et oui, on a la nouvelle classe 2 ans été. À suite de consultation, le comité de Austin Canada sur les expositions. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard avec Nancy Beaworth. D'ailleurs, je vous rappelle que je vais avoir quelques invités au courant de ces 2 jours pour agrémenter les discussions et les commentaires. Donc, bien sûr, une classe 2 ans été. Une nouvelle classe qui est ajoutée. Donc, 3 sujets dans cette classe. On aura Roland Dubois qui aura rentré premier avec une fille de Jordy. Donc, un taureau qui score assez bien aussi. On a eu dans la classe précédente, la première, une Jordy d'une Detox qui, on peut imaginer, vient de la famille de Florence Red chez Côteaupierre. Donc, un joli bois, le numéro 66, femme Garondale, une altitude. Et la femme Malik et Ponte des Rosa Hosting avec un autre Jordy. Donc, 3 vaches, 3 jeunes vaches dans cette classe. Everything's good. I can hear you nice and clear on the monitor. Sound wise? Qu'est-ce que tu as envie? On commence le show? La mise en place, ouais. Là, ça commence, puis mm-hmm. Tu es bienvenue. Hein, ouais. Ouais, on peut faire ça? C'est bon. Good. Là, je fais quoi? Je fais juste peser ici, vers le bas. Oui. Hey, écoutez, on a le plaisir d'avoir comme premier invité aujourd'hui le gars qui m'a briefé encore un peu plus ce matin, Vincent Landry, qui est à la direction de Austin Canada. Salut, Vincent. Bonjour Paul, ça me fait plaisir d'être ici avec vous autres. Content que tu aies pris le mandat. Je pense que les gens vont profiter de ta grande expérience et aussi de ton œil avisé pour les animaux. Donc, je pense qu'ils vont passer un bon moment avec toi aujourd'hui puis demain. Bon, j'espère que c'est pas toi qui fais peur au retard dans la classe, hein? Ça a bougé un peu. Ah, des fois, c'est comme ça quand j'arrive. Je suis un peu comme un petit sur une patinoire. Hein? Des fois, je tombe puis je trébuche un peu, mais on se relève puis on avance. C'est un peu comme toute l'organisation du show national, Paul. Ça a été un peu comme ça depuis le début, avec la cancellation de la Royale en juillet. Ça a pris un peu tout le monde par surprise. Et puis, ça a été comme une course de 90 jours pour préparer un événement de cette envergure-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est content d'arriver au fil d'arrivée puis de présenter cet événement-là aux gens partout à travers le monde. Puis, tu te sens à l'aise, l'équipe, vous êtes assez prêts avec le défi qui a été relevé puis les choses qui sont en effervescence tout le temps? Oui, je pense que tout le monde a fait de son mieux pour préparer l'événement. Et on est content d'arriver ici avec un événement qui est à budget égal. Et on va même être en mesure de remettre des bourses aux exposants. Oh, et tout ça, c'est possible parce que l'équipe a travaillé très fort. Le winners comité of the organisateur. Winners of the class, les gagnants de la classe de 2 ans d'été en lait. First, best daughter and best bred known, number 67. Première, meilleure pie et meilleure propriété élevée, le numéro 67. Malik Pondy, Debbie Red. Owned by propriété de Fermalik and Ponderosa Holsteins. Second, number 65, deuxième numéro 65, Jolibois Frima Jordy, owned by propriété de Fermalandel en Austrie. And third, number 66, troisième numéro 66, Jolibois Fly Fly Altitude, owned by propriété de Ferme Garondel.
Pendant qu'on commence à jaser, on voit les résultats de cette classe. Encore une fois, super belle jeune vache pour partir. Et on mentionnait tantôt, on est dans les jeunes vaches, on est dans les rouges, puis la qualité est très forte. Des animaux bien développés, hein, Vincent. C'est drôle, comment est-ce que la race a changé, a bien évolué? Effectivement, Paul, hein, on voit des jeunes vaches veiller de plus en plus jeunes et d'avoir la capacité laitière nécessaire pour pouvoir produire et aussi d'être fonctionnel en même temps. Je pense que c'est exceptionnel de voir les gains qui se sont faits dans les 10 dernières années chez les jeunes vaches. C'est vrai dans toutes les étapes. Ici, ils sont rendus au chaud ici, c'est sûr que c'est des bonnes productrices. C'est des vaches qui sont en santé. Il y a quand même un petit stress à venir se promener à l'exposition, même s'ils sont bien et dans le port jusqu'au cou. Pour une vache, ça doit être une histoire assez spéciale d'embarquer d'un truck puis d'aller faire un show, des fois assez loin de chez vous. Exactement. Puis on ne pense pas aussi à quel point une vache, ça peut être un stress supplémentaire dans sa vie de se déplacer et aussi de dans des conditions. On est au mois de novembre. Moi, j'ai ma petite laine puis je trouve qu'il fait froid encore. Donc, je peux penser à ces animaux-là. Mais quand on les voit, je pense que c'est des animaux qui sont heureux d'être ici aussi. A fairly handy winner here in our summer junior two-year-old class, a heifer that displays a lot of size and scale and openness. Also carrying the best udder in the class today, high, wide, strongly attached udder. It's her overall frame. Her overall stretch and scale, and she's just a lot nicer in the floor of her udder. Not showing the reverse tilt that our stylish heifer has in second. Second over third, a closer placing. Just prefer the height and the width of the rear udder of our second place cow. Just giving her a slight advantage in the set to her rear leg and the way she moves out on them today. But a nice class of summer junior two-year-olds. Thank you. Les raisons du juge Farlinger en français pour l'Atlas de 2 ans. La vache en première position l'emporte assez aisément aujourd'hui. C'est une vache qui démontre plus de grosseur, plus d'ouverture, plus de développement. C'est une vache qui démontre aussi plus de balancement dans son ensemble et qui donne un certain avantage au niveau de l'attache avant par rapport à la belle vache qui se présente en deuxième position. La vache en deuxième l'emporte sur la vache en troisième. C'est une vache qui aujourd'hui nous démontre plus d'hauteur et plus de largeur dans son arrière-pied. Une jeune vache qui démontre plus de style et plus de caractère laitier et un léger avantage au niveau de la position de ses membres arrière par rapport à la vache en troisième position. The results of the summer two-year-old class following your catalog. Les résultats de la classe de 2 ans d'été en suivant dans vos catalogues. Number 65 is second, 65, deuxième. 66 is third, 66, troisième. And number 67 is first, best udder, and best bred known. Il est numéro 67, et première, meilleur pied et meilleure propriété élevée. Three head were shown in the class, trois têtes sont exposées dans la classe. Content de te voir. In this junior two-year-old class, is sponsored by Ferme Etel-Austin, la classe de deux ans juniors, notamment de la Ferme Etel-Austin. Voilà. In the hosting barn, we'd ask that you bring your senior two-year-olds to ringside, please. Senior two-year-olds to ringside. Dans les tables hostiles, on demandait les deux enseignants à l'aréna, s'il vous plaît. Deux enseignants à l'aréna. Alors, Paul, je pense qu'on a des classes qui sont moins nombreuses, mais regarde la belle jeune vache, encore une fois, qui foule le rond. C'est très belle jeune vache. Oui, Callum, je ne peux pas dire qu'il présente des bons animaux. Toujours son style bien à lui de présenter. Un gars tellement calme. Effectivement, une... Avalanche de mère Awesome au Awesome Beauté. Ça, c'est assez une belle vache noire, ça. Ouais. J'ai, hein? J'ai tombé ami avec Jérôme Fillon cette semaine sur mon Facebook. Puis je me suis mis à regarder ses photos. Il y a un groupe de photos exceptionnel. The winner of the junior two-year-old class, gagnante à la classe de deux ans junior, first and best udder, number 68, première et meilleure pie, le numéro 68, Lookout Beauty's Pride, owned by propriété de Gaspard Fillon. Only one junior two-year-old out here, but man, what an impressive young cow. A cow with a lot of style and a beautiful udder, a high, wide, well-attached rear udder with a deep seam. Definitely deserving of the red ribbon. Thank you. Oh, I got ahead of my guy. Donc, Paul, tu parlais de la famille de vaches qu'il y avait derrière. Hein? La mère avait été une vache assez exceptionnelle dans les ronds de jugement. Tout le monde, je pense, se souvient quand elle avait performé à la Royale dans les 2 ans juniors. La gagnante dans l'Atlas de 2 ans juniors,
Jeune vache qui démontre un système mammaire tout à fait exceptionnel, qui lui fait remporter cette classe à cause de la qualité de son système mammaire. Oui, on parlait des résultats chez Gaspard Fillon et ses fils. Les premières fois que j'étais là, quand j'étais au club de Beauce, on avait fait un après-midi d'étable, puis M. Fillon, qui est un grand amateur de chevaux aussi, des Belges, si c'est encore le cas. Donc, félicitations à la famille de Gaspard Fillon, cette super belle vache-là. Tu disais, la fille de beauté, puis elle a toute une mère en avant. Hein? Je pense que c'est une famille qui a été développée par les Fillon, comme tu disais, Calum l'a amenée à un niveau. Et ici, c'est fun de voir que cette vache-là retourne à ses racines. Donc, elle retourne chez la famille Fillon. Elle vient de la Beauce, puis elle va s'en retourner dans la Beauce. Puis ça, c'est la vraie Beauce, rendue chez M. Fillon. Là, c'est... Il y en a qui disent que c'est le haut de la Beauce, bien sûr, par rapport à la rivière, mais c'est vraiment dans le fond du Québec. Mais c'est... toutes les régions sont belles, là. Les régions de belles montagnes, la montagne de granit. Donc, tantôt, on jasait, Vincent, sur l'organisation. Tu disais, écoute, on est pas mal prêts, on a travaillé fort. Donc, tu sens ton équipe engagée et encore bien primée au début de ces deux journées-là. Hein? Oui, puis je pense que c'est l'adrénaline que tout le comité organisateur puis l'équipe chez Austin de présenter un événement de classe internationale. Puis là, de voir les tout se mettre en place et de débuter comme ça, je pense que tout le monde sent beaucoup de pression tomber et ça change en satisfaction. Puis la température, même, est sur notre bord. Hein? On est 4 degrés, 3-4 degrés le matin ici à Saint-Hyacinthe. Il fait un beau soleil. J'espère qu'il fait beau dans la plupart des régions du Québec. C'est une belle automne. Pour en revenir à ton organisation, Vincent, tu dis aujourd'hui, c'est la clé quand même. Hein? L'adaptabilité, c'est ferme de tiers, vous le savez, puis dans ton organisation, c'est la même chose. Oui, puis tu parles d'adaptabilité. Je pense que d'organiser des événements comme ça dans un délai aussi court, c'est ce que ça prend. Je pense que le COVID nous a appris beaucoup de choses, dont ça, de s'adapter et d'être capable de réagir rapidement. Je pense qu'on ne peut rien prendre pour acquis et on ne peut jamais non plus penser que les choses vont toutes se faire comme avant. Hein? Il faut démontrer qu'on est prêt à changer, évoluer. Et moi, je salue toute l'industrie qui a su s'adapter. C'est pas juste chez Austin, je pense que c'est toute l'industrie laitière canadienne qui s'est adaptée. Chapeau aux producteurs laitiers. Et si tu es d'accord avec moi, on arrive dans un pic où en même temps, les gens qui sont dans l'industrie des expositions, avec la COVID, ils ont été tranquilles, ils ont été chez eux barricadés quasiment. Hein? Puis là, ben, ils sortent avec toute la fièvre qu'on leur connaît. Donc, Paul, on voit une autre belle classe arriver aujourd'hui avec les 3 ans juniors. Non, c'est les 2 ans seniors, je pense, qui se présentent dans le rond, ou je me trompe? Exactement, non, c'est ça, c'est les 2 ans seniors. On combe avec des classes un peu plus grosses. Donc, je pense qu'on a juste une erreur dans notre titre en bas de la classe. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est bel et bien la 2 ans seniors. Donc, c'est le défi de la technologie. Hein? Nous autres, on est sur la mezzanine au centre BMO. On les a en avant de nous autres, en vue plongée. C'est très agréable. La caméra est placée de l'autre côté. Ils vous donnent le meilleur shot. Puis, bien sûr, il y a toute la régie. C'est des gens très professionnels. On en parlait tantôt, Vincent, c'est des gens habitués de faire le show. C'est la même gang qu'à la Royale. Donc, ils sont installés ici à Saint-Hyacinthe. Donc, on vous rappelle, c'est ça, on est bien dans la classe des 2 ans seniors maintenant. Écoute, on va essayer d'avoir quelqu'un de la région de Saint-Hyacinthe, de la Société d'agriculture, pour venir nous parler aujourd'hui. Mais pour Austin Canada, sans venir ici à Saint-Hyacinthe, c'est un bon move, c'était un bon fit. Oui, je pense que, Paul, tu sais, le Canada, c'est un grand pays. Hein? Les gens ont voyagé beaucoup pour venir exposer. On avait 2 sites qu'on a considérés pour l'événement qui avaient la capacité, un, d'accueillir autant d'animaux au mois de novembre, parce qu'on sait qu'il y a plein de sites qui pourraient peut-être recevoir, mais à une autre période de l'année où c'est un peu plus chaud. De venir à Saint-Hyacinthe, c'est des gens qui avaient l'expertise, qui venaient d'organiser l'exposition du Suprême.
Donc, il était prêt à nous recevoir. Il savait les enjeux qu'on allait vivre et c'était probablement le site le plus en mesure de nous appuyer avec un délai si court. Donc, on s'est vraiment appuyé sur leur expertise, puis le fait qu'ils avaient géré des événements comme ça durant la pandémie aussi. Donc, c'est, pour nous, c'était quelque chose de rassurant. Effectivement, c'est une bonne décision. Ici, on connaît les installations, puis comme tu dis, l'énergie, l'expérience des gens de la ville. Ici, à Société Agriculture, on a acheté le Salon d'agriculture dans les dernières années. Fait qu'on est rendu une organisation grosse, solide, expérimentée. Puis les installations, bien, quoi demander de mieux? Le centre BMO, c'est assez un beau spot pour tenir un jugement, tu trouves, hein? Je pense que c'est des super installations. C'est des installations qui sont vastes, les étables sont de qualité, les lavoirs sont vastes, sont grands. Et puis, je pense qu'on regarde le rond aujourd'hui et là, peut-être qu'on n'a pas encore toute la dimension de pourquoi on a un rond si grand. Mais je vous dis que demain, on va avoir des classes de vaches avec plus de 40 jeunes vaches. Hein, donc, ça prend un rond immense. Il va y avoir une classe de jeunesse qui devrait remplir le spot aussi après-midi, pas mal hein, dans les noirs. Fait que oui, on est bien installés. Les visiteurs, Vincent, il ne faut pas passer aux côtés. On a eu une limite, hein, bien sûr, comme bien des shows, avec notre fièvre du Québec, on a été nombreux à vouloir se présenter. Ouais, absolument, Paul. Puis encore une fois, c'est de l'adaptabilité, ça revient à ça. Au tout début de l'organisation, on était limité à 250 visiteurs. Et au fil de l'automne, les règles se sont assouplies, ont changé. On a été en mesure de monter le nombre à 500 visiteurs. Et avec les récents assouplissements de la santé publique du Québec, il a été possible pour nous de relâcher un autre 150 billets au début de la semaine. Donc, les règles changent le 15 novembre. On s'adapte, on relâche d'autres billets. Mais il faut aussi penser que il y a beaucoup plus que 650 visiteurs qui vont être là. Hein. Il y a toute l'équipe de préparation derrière chaque exhibit. Il y a les gens qui s'occupent de ces animaux-là, les gens qui vont présenter les animaux, les gens dans le rond, les équipes de support. Globalement, au pic de la journée d'aujourd'hui et de demain, on va avoir près de 1000 visiteurs sur le site. Hein. Donc, c'est un nombre important dans une situation comme on est et on veut s'assurer de respecter toutes les règles de la santé publique et de projeter une belle image pour les producteurs laitiers canadiens et de montrer qu'on le fait pour protéger notre industrie. C'est quand même un pas pire test pour la COVID, hein, parce qu'il vient du monde de toutes les provinces, de plusieurs pays, bien, du monde qui vient du sud de la frontière. Donc, c'est quand même un défi, il ne faut pas l'oublier ça, fait que vous aviez des exigences... C'est drôle, hein? Tu parles de tes 150 billets qui ont été vendus très rapidement. Ma blonde, qui te connaît un peu, on a travaillé ensemble, me disait ben, « Pour moi, c'était un coup marketing de Vincent. Ça. Il en a gardé un petit 150 à la fin pour teaser. » Je te dirais, Paul, si j'avais pensé à ça, je ne prendrais pas le mérite. Et je te dirais, ça a plus été de voir pour avoir un autre estrade qui avait la capacité de le faire en aussi bref délai. C'est la même chose avec les fournisseurs. Hein? Donc, on avait une estrade pour 100 personnes et deux grands estrades de 250. Donc, il a fallu en trouver un autre qui avait la capacité pour 250. C'est du dernière minute, mais on y arrive. Donc, les défis, ils sont jusqu'à la dernière minute, puis tant mieux. Un défi pour accueillir plus de monde puis faire plaisir à des gens, tant mieux. C'est le fun de le voir à distance. En tout cas, j'espère que vous apprécierez la journée. Je vous rappelle, Paul Thibodeau avec vous autres aujourd'hui à l'animation. On est avec Vincent Landry, qui est à la direction de Austin Canada, et on parlait un peu de l'organisation du show. Puis pendant qu'on voit cette belle classe de deux ans seniors, un beau groupe encore une fois, d'un coup d'œil rapide, les pies, hein, on en parlait tantôt. Amélioration phénoménale encore, hein? Oui. Et je ne sais pas, Paul, on a remarqué plusieurs taureaux dans les rouges, hein? L'évolution qui se passe, c'est des vaches aujourd'hui qui ont une capacité de produire qui a augmenté énormément. Et la qualité des systèmes mammaires, comme tu disais, Paul, moi, je reste surpris de voir comment les systèmes mammaires sont de qualité chez les rouges depuis quelques années. Puis, tu sais, l'évolution d'une race est basée sur plusieurs choses. Il y a des fois, il y a peut-être du hasard ou des belles combinaisons, mais les rouges ont aussi beaucoup de acères, de pôles hein, dans leur généalogie. Il y a des familles qui ont parti ça. Donc, ça donne aussi un avantage à cette race-là. Quoique dans les noirs, il commence à avoir des pôles chez les taureaux qui sont impressionnants. Donc, on va voir des changements à cet égard-là. Puis, c'est correct, hein, c'est la santé publique qui va le demander. Puis, des belles tendances. Oui.
Paul, si tu regardes, on va peut-être prendre quelques secondes pour regarder le premier line-up de vache. C'est la numéro 74, une fille d'Unstoppable qui vient d'être tirée en première place potentielle. Qu'est-ce que tu penses de cette jeune vache-là, Paul? Ouais, écoute, c'est une blondin. C'est une vache qui est tellement élégante. Juste le cou, la tête, son port, le côte, l'ouverture des côtes. Est-ce que les classificateurs nous enseignent? Il faut que les côtes arrivent quand on les prolonge dans l'avant-pied. C'est pas mal scalé, puis la solidité du dos de sa charpente en général, une vache qui est large. Pas beaucoup de choses qu'on peut la prendre en défaut. Hein. C'est une gagnante intéressante pour cette classe-là. Je suis d'accord avec toi, Paul. Puis je pense qu'on a aussi de plus en plus des deux ans seniors qui ont deux lactations ici. Ça montre comment la race a aussi évolué de veiller jeune et de pouvoir reveiller puis de conserver la capacité de produire. Exact. Deux veaux, c'est deux expériences. La première pour une tare. On dit des fois, c'est là que ça passe ou ça casse. Fait que si ça veille bien, tant mieux. Mais ces vaches-là font des bonnes lactations, puis ils reveillent rapidement pour se présenter au show national avec deux veaux. C'est vrai que c'est exceptionnel. J'aimerais ça qu'on parle peut-être du numéro 71. C'est une vache. Aujourd'hui, je veux juste porter votre attention. Elle porte deux préfixes, cette vache-là, dont le préfixe « Lucky ». Et la ferme Lucky Hill Dairy, c'est grâce à eux aujourd'hui que la couverture du live stream vous est offerte gratuitement. Si le live stream est gratuit pour tous, c'est grâce à ces gens-là, une famille de gens exceptionnels. Puis je pense que tu as quelques informations à donner sur ces gens-là. Ouais, effectivement, c'est je pense un très bon move. Au début, on voit ça apparaître dans les liens sur Facebook, sur les sites Internet. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va en parler de Lucky Hill Dairy Farm. C'est une belle visibilité. Puis quand tu es capable de, en plus, présenter des animaux au show, c'est intéressant. Donc, eux autres sont situés à La Combe, en Alberta. Donc, un peu plus au sud de Red Deer, si ma mémoire est bonne. 270 vaches, du rouge et blanc, du noir et blanc. 1000 acres au niveau des cultures. Donc, une ferme assez moderne. Quand on regarde le site, on voit une photo de la famille. Ils sont plusieurs. Il y a un gros tracteur en arrière, un vrai gros. Puis, il y a une famille. Il y a une famille qui a l'air unie. Il y a un beau veau, il y a un chien sur la photo. C'est vraiment intéressant. C'est une belle image de l'entreprise. Tu les connais personnellement, Vincent? Tu as eu l'occasion de lui parler? Oui, bien, Willem et sa famille, c'est des gens qu'on connaît bien chez Austin. Willem est administrateur national. Le class est gagnant de la classe de deux ans senior. First and best starter, number 74. Première et meilleure pilote, numéro 74. Blondin, RD Unstoppable Maple, owned by propriété de Kevin Dalbriner, William Schilling et Lindsay Bowen. Second, number 71. Deuxième, numéro 71, Chubana Lucky Duck, owned by propriété de Agribas Societa Agricola, Beckridge Holsteins and Quality Holsteins. And third, number 73, troisième, numéro 73, Elm Bend Dawn, owned by propriété de ferme Yvon Scar et Pierre Boulet.
It's a beautiful, beautiful second calf senior two-year-old to win this class. Kava just uses her overall length. She's longer from the top of her chine to the tip of her tail, and she's longer through her mammary system, giving her an advantage in the length of her fore udder, the length of her rear udder, and the depth of her seam. Taking nothing away from our second place cow, a beautifully correct cow, a cow that has that hard top and style to fit in with our winning cow, a cow that's just a little more, shows us a little more strength, a little more constitution up through her front end, through her heart and her chest region, over another really wide, beautifully uttered cow we have in second. Second cow just uses her width of her udder. She's higher of her rear udder, she's leveler of her floor, and just more in bloom today than this strong cow we have in fourth. Fourth place cow just uses her overall strength all the way through, her depth to her rib. She maybe just tracks out a little nicer on her rear legs at times, just showing us a little more openness and overall capacity than a tall cow we have in fifth. Thank you. Les raisons du juge Farlinger en français pour cette classe de 2 ans senior. Débute la classe avec une jeune vache qui démontre beaucoup de longueur et d'ouverture. Une jeune vache qui est plus imposante, qui est plus massive. Beaucoup de longueur au niveau de son corps en général, mais aussi plus de longueur au niveau de son système mammaire. Un ligament suspenseur mieux défini que la vache avec très solide, avec la dorsale très solide qui se présente en deuxième position. C'est pour cette raison de solidité et d'ouverture des côtes que la vache en deuxième l'emporte sur la vache en troisième. La vache en troisième l'emporte sur la vache en quatrième. C'est une jeune vache qui démontre plus d'auteur au niveau de son arrière-pied. Qui est préférable au niveau de la position de ses ischions. Et qui ne démontre plus d'ouverture en général que la vache qui se présente en quatrième place. La vache en quatrième l'emporte sur la vache en cinquième. Une vache qui se déplace mieux aujourd'hui. Une vache qui est plus ouverte dans son ensemble. Qui ne démontre plus de caractère de race que la vache qui se présente en cinquième place. The results of the senior two-year-old class following in your catalog, and this class was sponsored by Holstein Canada. Alors, les résultats de la classe de 2 ans senior en suivant dans vos catalogues, et la classe fut commanditée par Holstein Canada. Number 69 is 5, 69, 5e. Number 70 is 4th and best bred and owned, 70, 4e, et ainsi que meilleure propriété élevée. 71 is 2nd, 71, 2e. 72 is 6th, 72, 6e. 73 is 3rd, 73 is 3rd, and number 74 is 1st and best udder, le numéro 74 est première et meilleure pie. 6 head were shown in the class, see tight for exposure to the class. In the Holstein barn, we ask that you bring all senior 3-year-olds to ringside, please. On demande dans les tables Holstein et 3 ans senior à l'arène, s'il vous plaît. This junior 3-year-old class is sponsored by Holstein Canada. It's a class de 3 ans junior dans le moment d'une commandite de Holstein Canada.
Bon matin, bon avant-midi. Paul Thibodeau avec vous autres pour la description et l'animation de cette journée sur web diffusion de notre exposition nationale Austin, organisée par Austin Canada. On a parlé avec Vincent tantôt, Vincent Landry, qui est assez fier de son équipe. On a parlé d'adaptabilité. C'est ce qui se passe au niveau des entreprises agricoles aussi, dans plusieurs cas, et spécialement nos amis à BC. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais il faut avoir un peu de pensée pour eux autres. C'est vraiment un événement assez particulier qu'ils ont vécu, du jamais vu, dans la vallée à Abbotsford, dans cette région-là. L'eau qui monte, c'est une région qui est déjà humide. Plusieurs ruisseaux, plusieurs rivières qui sillonnent à travers les grosses montagnes de la Colombie-Britannique. Puis que cette vallée-là se remplisse d'eau comme ça, c'est exceptionnel. Ça a pris de la solidarité certainement. On lui souhaite bon courage. Encore une belle classe de vaches aujourd'hui ici, trois ans juniors dans les rouges. Il y en a six. Quelques préfixes québécois avec la femme Godin, d'une vache qui vient de chez Delestrie, Bruno Turmel. Je ne sais pas si vous connaissez Bruno, le spécialiste TikTok parmi les producteurs. On voit ses petits vidéos, sa danse assez particulière, mon Bruno. Donc, il est en arrière de numéro 75 qui vient de chez Etel, un gars de l'Estrie aussi. Martin Bergeron, Bergicel, une bête dans cette classe-là. On a Joli Bois, bien sûr, Roland et son gars, sa famille, qui sont ici, spécialisés dans le rouge spécialement. Puis on a une premium qui est de la région de Richemont, la ferme intense, la ferme Jacob, puis Francis Morneau, bien, c'est lui premium avec sa famille. Pas une grosse lasse, mais des vaches assez prêtes, toujours très laitières, du style. Belle classe. On vous parlait tantôt de Lucky Hill, qui est le sponsor, le commanditaire de la transmission en web diffusion. Lucky Hill Dairy Farm, je le disais tantôt, est situé à Lacombe, en Alberta, et est propriété de William puis Joanne. Donc, cinq enfants. C'est des gens à s'occuper, 270 vaches en lactation, mais sont en processus de bâtir une nouvelle étable pour monter à 350 vaches en lactation. William est effectivement directeur national en provenance de l'Alberta, de sa branche, une branche dynamique, et pas les plus nombreuses des branches de l'Ouest, mais pour avoir participé à quelques barn meetings, réunions d'étable, réunions de clubs dans ce coin-là, c'est des vrais fervents, c'est des fiers. Joanne, elle, de son côté, est leader pour le club de 4 heures, donc des gens impliqués. Il aime l'élevage, il aime la longévité, les pédigrés profonds. Dans ce troupeau-là, 20 % des vaches ont reçu 60 000 kilos
last year, donc l'année passée. On est dans des performances assez intéressantes au niveau de la longévité. Mais ça bouge à la ferme. Le garçon le plus vieux, Ryan, est parti un business de pompage de fumier. Donc, c'est des gens entreprenants, c'est clair. Tout ça dans la même cour. Fait qu'il dit chez nous, il y a des moments tranquilles, il n'y en a pas bien, bien. Ça bouge. Bien sûr, William et John nous souhaitent d'avoir beaucoup de plaisir à regarder la diffusion. Ils sont bien contents d'avoir pu permettre, avec la commandite, la diffusion de cette web diffusion de l'exposition du show national au CIN. The winners in the junior three-year-old class, gagnante de la classe de trois ans junior. First added entry number 421, première l'entrée additionnelle numéro 421, Aja Avalanche Kayla, owned by propriété de Agribas Societe Agricola, Beckridge Holsteins, and Quality Holsteins. Second and best udder, number 77, deuxième et meilleur pile numéro 77, Twin County ABS Rumba Red, owned by propriété de Kevin Dalbriner and Kevin Dalbriner and Lindsay Bowen. And third, number 79, troisième, numéro 79, Premium Addiction P. Daisy, owned by propriété de Ferme Intense Incorporée, Ferme Jacob Incorporée et Francis Borneau. Donc, une belle vache, une avalanche, une édition à votre catalogue, le numéro 421. Combinaison de propriétaires, entre autres de l'Ontario. Quel style! Une vache qui semble vraiment forte dans sa classe pour la puissance, l'angularité.
Un membre qui est bien positionné. Forme de pied désirable. Écoutons les raisons du juge. À 77, elle a du caractère un peu. Elle donne du fil de retard, donc je pense qu'on a un gars calme qui conduit ça. Le caractère laitier, je pense que l'ouverture, le raffinement, elle l'a. A beautiful young cow to start this class. Cow that's tall and hard. Beautiful uphill front end. A lot of dairy and breed character. She's just a little more cow all the way through than our second place cow. She's taller at the point of her shoulder. She's longer of her body part. She's longer of her rib section, her midsection, and back through her rump region. She just overall overpowers our beautiful, beautiful uddered cow in second. Second, a cow that we made best udder in the class, just a beautiful mammary system, lots of capacity, lots of venation. And it's a balance of her rear udder, the quality of her seam, and the venation on her udder overall that carries her over cow we have in third. Third place cow, just more open of her midsection. She's deeper of her rib, she's wider of her chest and her heart over this big, tall cow we have in fourth. Fourth place cow just showing a little more bloom today, just a little more overall style, just a little more of that uphill walk than our really correct cow we have in fifth. Thank you. Les raisons du juge Farlinger pour l'Atlas de 3 ans junior dans les rouges et blanches. Une gagnante, une très belle jeune vache qui l'emporte aujourd'hui, une jeune vache qui est plus massive, qui est plus imposante, une jeune vache qui est plus grande et plus longue dans son ensemble, une jeune vache qui est plus longue au niveau de sa croupe, une vache qui a un excellent système mammaire qui se présente en deuxième place. C'est son système mammaire, l'équilibre dans son pied. Une jeune vache qui démontre une meilleure définition de son ligament suspenseur, une meilleure irrigation de son pied, plus de veines que la jeune vache très puissante qui se présente en troisième place. La jeune vache en troisième l'emporte pour l'ouverture de son corps profonde. Une jeune vache qui démontre une meilleure qualité de sature que la vache très élégante qui se présente en quatrième place. Et la vache en quatrième l'emporte sur la vache en cinquième. Une vache qui demande plus de style et d'élégance, plus grande que la vache qui se présente en cinquième place. The results of the junior three-year-old class following your catalogues, les résultats de la classe de 3 ans junior en suivant vos catalogues, number 75 is 4th, 75, 4e, 76 is 6, 76, 6e, 77 is 2nd and best udder, 77, 2e et meilleur pied, 78 is 5th, 78, 5e. Number 79 is 3rd and best bred and owned. 79, 3e, ainsi que meilleure propriété élevée. And added entry number 421 is 1st. C'est l'entrée de Cyril, numéro 421 et première. Aja Avalanche Kayla, owned by propriété d'Agribert Société Agricole, Beckridge Holsteins, and Quality Holsteins. In the Holstein barn, we ask that you bring all animals for intermediate champion at ringside, please. All animals for intermediate champion at ringside. Dans les tables Holstein, on envoie les animaux le championnat intermédiaire à l'aréna, s'il vous plaît, les animaux le championnat intermédiaire à l'aréna. This senior three-year-old class is sponsored by Holstein Canada. It's a class de trois ans senior en commandite Holstein Canada.
On n'occupera pas pleinement les ondes aujourd'hui avec nos discussions. Ici et là, on vous amène des invités, on vous donne des informations pour tenter d'agrémenter la web diffusion et l'information que vous recevez. Je prenais juste le temps de jaser avec un grand chum, un gars qui est dans le business depuis longtemps, Dr. David Chalak. C'est lui qui fait la description pour la version anglaise. Il est avec Orville Schmidt, un vétéran éleveur dans la province de l'Alberta aussi. David est bien connu, fait longtemps qu'il est dans le business. Il était chez Alta Génétique et avant ça, toutes les organisations qui ont été rattachées à ça. Puis c'est un gars qui a même été président du Stampede de Calgary. Donc, un gars de business, un gars avec un chic exceptionnel. Donc, on va essayer de se partager des informations aujourd'hui et avoir des présentations qui vont être autant en anglais qu'en français avec nos visiteurs. On a quelques-uns d'intéressants à vous présenter un peu plus tard aujourd'hui et demain, bien sûr. Merci d'être avec nous. J'espère que vous appréciez le jugement. Classe 3 en senior, cette fois-ci. C'est pas le nom, mais c'est la qualité. Appréciez. J'espère que vous voyez bien les numéros. Je pense que ce qu'on voit à l'écran, si vous êtes d'accord, ça fonctionne bien. Si c'est des commentaires, n'hésitez pas à le faire auprès de Austin Canada sur Facebook. C'est des choses qu'on peut améliorer. Ça va nous faire plaisir. Merci.
classe de 3 ans senior avec un peu plus de sujet, légèrement plus, mais surtout de la qualité encore une fois. Plusieurs bêtes du Québec, une qui est propriété de Cracombe. On a bien sûr la femme Jolibois, préfet Jolibois, femme Rolandelle. Une coupe dans cette classe-là, Millibro, habitué des expositions depuis longtemps. Et une intense de chez Kevin Jacob, propriété d'Edmond Petit. Vous avez pu apprécier les commentaires du juge. Le juge est Mike Farlinger. Il va être présenté plus en détail au micro tantôt par Norm Carson, bien sûr, qui est au résultat et à la traduction des informations à la table officielle. Donc, Mike Farlinger, un gars bien habitué au niveau des shows, Morrisburg en Ontario, Signature Hosting. Donc, tout pour mettre le vert. Puis, on apprécie aussi la traduction. Vous êtes moins familier avec l'anglais de Rémi Gay de Quaticook. Rémi Gay, un éleveur de Jersey. The winners in the senior three-year-old class, gagnant de la classe de 3 ans senior. First, best daughter, best bred and owned, number 83. Première, meilleure pie, meilleure propriété élevée, numéro 83. Jolibois Féline Avalanche, owned by propriété ferme Rolandal, enregistré. Second, number 86. Deuxième, numéro 86. Intense, awesome Pam Red, owned by propriété de Edmond Petit. And third, number 85, troisième, numéro 85, Millibro Devour Lovely, owned by propriété de ferme Millibro Incorporé. Quand même cute, hein, l'idée de la rose à la première de l'Atlas. Deux rosettes dans le cas de celle-ci, puis une rose en plus. Il va essayer de la mettre dans sa poche. Je ne sais pas si ça va marcher. Parle-la pas. Une rose, c'est fragile. Belle classe de vache. Hein. Gagnante, Jolibois, Féline Avalanche. Donc, Avalanche, un taureau bien connu. Encore quelques bons résultats. Quelques bonnes unstoppable ici dans les classes précédentes. Ça fait un beau spectacle, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je les vois en vrai, ils sont en bas de la mezzanine ici, mais à l'écran en même temps. C'est beau de voir ça, une belle rouge qui arrive avec, non pas une, deux, trois rosettes, puis la rose dans la poche en arrière. C'est vraiment un beau show, c'est un beau sens du spectacle. A nice balanced cow to win this senior three-year-old class with. Cow that's a little taller at the point of her shoulder. Cow that shows us a little more width through her chest and her fore rib region than our second place cow. And carrying back through her mammary system, a cow that would give an advantage to the levelness of the floor of her udder and the size and shape of her teat over this beautiful wide-uddered cow we have in second. Second place cow just shows us a little more breed character up through her head and neck. She's longer of her neck region, showing us a little more femininity, and just showing us a little snugger to her fore attachment here today
than this big wide cow we have in third. Cow in third, a third calver, she just uses her overall width. She's more massive and deep in her midsection, and she's quite a bit deeper in the seam of her rear rudder over this stylish cow we have in fourth. Fourth place cow, giving her an advantage just in that overall style, the blending of her parts. She's taller, a little taller at the point of her chine, just moves out a little freer on her feet and legs, and just holds her tail and tail head and sets those pins a little nicer when she's on the move here today. But a nice class of cows overall. Thank you. Les raisons du juge Farlinger pour l'Atlas de 3 ans senior. Débute l'Atlas avec une très belle vache qui est très bien balancée, vache qui démontre beaucoup de largeur. Démontre en plus de largeur au niveau de la base de sa poitrine, au niveau de l'ouverture de ses côtes avant. Donne un avantage aussi au niveau de la grosseur et de la forme de ses trayons par rapport à la très belle vache qui se déplace très bien, qui se présente en deuxième place. La vache en deuxième l'emporte sur la vache en troisième. Une jeune vache qui ne montre plus de caractère de race au niveau de la tête, de sa tête et de son cou. Une jeune vache qui se déplace mieux sur ses membres aujourd'hui. En plus de démontrer plus de féminité que la grosse vache large et puissante qui se présente en troisième place. La vache en troisième l'emporte par rapport à la vache en quatrième. Une vache qui démontre plus de largeur dans son ensemble, surtout au niveau de son arrière-train. Une vache qui démontre plus de définition au niveau de son ligament suspenseur, qui démontre plus de largeur dans son ensemble. Et la vache en quatrième l'emporte sur la vache en cinquième. Jeune vache à qui il donne un avantage au niveau de la largeur au niveau de la base de sa poitrine. Jeune vache aussi qui démontre une meilleure position de ses ischions et une attache de queue qui se dépose mieux entre les ischions par rapport à la vache en cinquième place. The results of the senior three-year-old class following in your catalogues. Les résultats de la classe de trois ans senior en suivant dans vos catalogues. Number 80 is 6, 86e. 81 is 5, 81 cinquième. 82 is 4th, 82 quatrième. 83 is 1st, best udder and best bred and owned. 83 est première, meilleur prix, meilleure propriété élevée. 84 is 7th, 84 septième. 85 is 3rd, 85 troisième. And number 86 is 2nd, et le numéro 86, deuxième. 7 head were shown in the class, 7 têtes furent exposées dans la classe. We will now proceed to the intermediate championship parade. Alors nous allons procéder à la parade championnat intermédiaire. Our winners from the milking yearling class, gagnant de la classe 1 an senior en lait. First, number 60, première, le numéro 60, Coteau-Pierre, Jordy Fallon Red, owned by propriété de ferme Saint-Pierre et Fils, enregistré. Second, number 59, deuxième, le numéro 59, Trinal Unstoppable Love, owned by propriété de Hodgson Holsteins and Rocky Allen. Déjà rendu à notre championnat intermédiaire chez les Rouges. Toujours le fun de les comparer, les deux meilleurs, premières de chaque classe. Mais la nature étant ce qu'elle est, des fois, il faut attendre après la vache. Our winning pair of summer two-year-olds, les gagnants de la classe de deux ans d'été en lait. First was number 67, première le numéro 67, Malik Pondy Debbie Red, owned by propriété de ferme Malik Ponderosa Holsteins. And second, number 65, deuxième le numéro 65, Jolibois Frima Jordy, owned by propriété de ferme Rolandal enregistré. Our winning junior two-year-old, la gagnante de la classe de deux ans junior, number 68, le numéro 68, Lookout Beauty's Pride, owned by propriété de Gaspard Fillon.
Our winning pair of senior two-year-olds, les gagnantes de la classe de deux ans senior. First was number 74, première le numéro 74, Blondin, R.D. Unstoppable Maple, owned by propriété de Kevin Dalbriner, William Schilling, and Lindsay Bowen. Second was number 71, deuxième numéro 71, Chubana Lucky Duck, owned by propriété de Agribas Société Agricola, Beckridge Holsteins, and Quality Holsteins. A winning pair of junior three-year-olds, les gagnants de la classe de trois ans junior. First was number 421, première le numéro 421, Aja Avalanche Kayla, owned by propriété de Agribas Société Agricola, Beckridge Holsteins, and Quality Holsteins. Second was number 77, deuxième le numéro 77, Twin County ABS Rumba Red, owned by Kevin Dalbriner and Kevin J. Dalbriner and Lindsay Bowen. And our winners from the senior three-year-old class, les gagnants de la classe de trois ans senior. First was number 83, première le numéro 83, Jolibois Felin Avalanche, owned by propriété de Fermoral-Landal Industrie. And second was number 86, deuxième numéro 86, Antown's Awesome Pam Red, owned by propriété de Edmond Petit. This time, ladies and gentlemen, I'd ask you to show your appreciation for the breeders, the exhibitors, and the judges' work. Alors, bonne main pour les exposants, les éleveurs et le travail du juge. The sponsorship to the intermediate champion is sponsored by Beto Quinol and the reserve by Arrow Marketing. Alors, les commanditaires dans la classe de championnat intermédiaire à la championnat intermédiaire, c'est par Beto Quinol et à la réserve par Arrow Marketing. Je ne sais pas si vous êtes en train de faire vos choix. Tranquillement, on les voit passer à l'écran. Les jeunes vaches intéressantes. Les gagnantes de classe qui m'apparaissent dominantes dans plusieurs de ceux-ci. Plusieurs préfixes du Québec à travers ce groupe d'exposants dans les rouges et blancs aujourd'hui. Les gens d'un peu partout, bien sûr, du Québec et de l'Ontario, mais il y en a de l'île du Prince-Édouard, il y en a de l'Alberta et de plusieurs États américains, hein, du New Jersey, du Michigan, du Wisconsin, du Vermont, de la Californie, de l'Arizona, de l'Ohio. Donc, du monde un peu partout pour ce beau show de rouge.
Il va y aller avec des vaches un peu plus matures, deux veaux. Aussi, il va prendre des plus jeunes. 421, pardon, l'Avalanche, qui est une addition à votre catalogue, conduite par Éric Dupasquier. Une vache assez spéciale. On va prendre une 2 ans d'été. Numéro 67, la ferme Malik qui est tirée au milieu. Numéro 74, la Unstoppable Blondin. Premier à 2 ans senior. Deuxième. 2 ans senior, le numéro 71 qui tire au milieu. Et notre Avalanche, addition 421. La deuxième de ce classe-là, numéro 77. Un Absolute Red. Vache un peu tannante au liquide aujourd'hui, mais ça n'enlève pas ses belles qualités. Il est pied exceptionnel. Le raffinement, la forme laitière intéressante. Wow! Monsieur Farlinger va faire son choix. Donc, c'est le line-up à choisir dans le championnat intermédiaire dans les rouges et blancs. Cette magnifique journée du mois de novembre. Beau temps Saint-Hyacinthe, quelques degrés au-dessus de zéro. C'est agréable. J'espère que c'est la même chose chez vous. Donc, placé en rond pour, plutôt en ligne pour le classement final, la ferme Malik et Ponderosa, la première 2 ans d'été. Numéro 74, un Unstoppable, préfixe Blondin, plusieurs partners, première 2 ans senior. Le numéro 71, qui est notre deuxième dans cette classe de 2 ans senior. Agribert Societa, Qualité Austin, Beckridge, and Jordy. Definitely Jordy been a Beffett. Very strong young cow show here today. Definitely a tribute to the way the red breed has progressed and developed when we can have 5 really, really nice young cows like this standing out for our intermediate champion. Cows with a lot of quality, cows with a lot of femininity, and cows with great udders. Definitely complimentary to the people that have bred and worked and developed these cows and put so much time and effort into it. I think they deserve a nice round of applause. I'm going to go out and I'm going to select my champion, my reserve, and my honorable mention, intermediate champion. And I hope you appreciate him as much as I do. Donc, les commentaires du juge Farlinger, avant qu'il choisisse sa championne intermédiaire, sa réserve et puis sa mention. Très impressionné par la qualité des jeunes vaches qu'il a ici devant lui pour
le concours des Rouges et Blanches. Très impressionné de la progression de la race des Rouges et Blanches dans les dernières années. J'apprécie énormément la qualité laitière de ces jeunes vaches, la féminité de ces jeunes vaches, et elles ont tous de superbes systèmes mammaires. Donc, il va de ce pas choisir sa championne, sa réserve et sa mention honorable pour le concours intermédiaire. Le premier est 2 ans senior, le premier est 3 ans junior et le deuxième, 2 ans senior. Il y a des vaches élégantes, ça c'est sûr. Intermediate champion goes to number 74, la championne intermédiaire numéro 74, Blondin RD Unstoppable Maple, owned by property de Kevin Dalbriner, William Schilling and Lindsay Bowen. With reserve number 421, Anisel numéro 421, Aja Avalanche Kayla, owned by Propriété d'Agribert Société Agricole, Beckridge Holsteins and Quality Holsteins, and an honorable mention to number 71 in Mansion Arad numéro 71, Chubana Lucky Duck, owned by Propriété d'Agribert Société Agricole, Beckridge Holsteins and Quality Holsteins. J'imagine que vous appréciez comme moi la qualité de cette vache-là, le Unstoppable avec le préfixe Blondin, championne intermédiaire. Quelle belle vache, quel bel avant-train. Vache angulaire et solide, tellement dans son dos. La croupe, la riépie. Vraiment exceptionnel. Is he ready? Did he shine the light? You're on. I just love this senior 2-year-old that I made intermediate champion. Those of us who work with cows every day realize what a challenge it is to have a cow calve for the second time at 36 months and to be able to come out and walk in a show ring and look like this. That's hard stuff to do, and I just love this cow. I give her advantage. She's a little more feminine up through her head and neck. She's a little longer in her neck region, just a little more femininity all the way back through. And when you get to her mammary system, I give her an advantage in the length of her mammary. She's longer of her fore udder. She's a little more balanced at the top of her rear udder today. Just a little more overall squareness to her mammary system than our reserve intermediate champion. Taking nothing away from this cow, she's a beautiful young cow. And she just overframes our honorable mention cow. She's a lot taller. She fits in frame-wise with our intermediate champion. She's taller, longer, a little harder of her top. And just, again, a little more overall length to her mammary. Just maybe preferring the way her teats are under her rear quarters a little bit more than our beautiful young cow we made honorable mention. But what a trio of cows. Lots of credit goes to the people that work and breed these cows. Beautiful young cows. Congratulations, guys. Monsieur Farlinger en profite pour féliciter les éleveurs et les exposants de ces 3 superbes jeunes vaches. Il décrit la championne intermédiaire, cette 2 ans senior, deuxième veau, comme une jeune vache tout à fait exceptionnelle, puis
décrit aussi la façon dont c'est difficile de ramener une jeune vache dans, à ce niveau de compétitivité-là dans le ring en ayant avalé deux fois aussi rapidement. C'est pour les raisons qu'il est une jeune vache qui démontre plus de longueur dans son ensemble, surtout au niveau de la longueur de son cou. Une jeune vache qui est plus féminine aujourd'hui. Lorsqu'il arrive à son... C'est une jeune vache qui a acquis démontre longueur de ma mère que la vache qu'il utilise comme réserve. La vache en réserve. La vache qui est réserve aujourd'hui l'emporte sur la vache qu'il utilise comme mention honorable. Une jeune vache qui démontre plus d'auteur dans son avant-train, plus de solidité et d'ouverture dans son ensemble que la très belle jeune vache comme mention honorable. Donc, les trois gagnantes du championnat intermédiaire. Quelle belle jeune vache. J'apprécie beaucoup hein, la féminité, le dégagement de 2 ans. Vache impressionnante. Pendant qu'on voit rentrer nos 4 ans, la classe est commanditée par Veto Quinal, puis on va avoir la chance d'avoir James Phil qui va venir jaser avec nous autres quelques minutes tantôt. James, ça fait longtemps qu'il est dans l'industrie. Il va venir nous donner son point de vue sur ce qu'il voit aujourd'hui. Différentes choses qu'on va jaser avec lui. We'd just like to remind all master breeders that the bus is just outside here and is ready to leave in a few minutes. If you could load up, please. Alors, juste un appel aux maîtres éleveurs que l'autobus est ici en avant de l'aréna et il va partir très bientôt.
Beau spectacle de regarder ces quatre ans-là encore, hein? Cette belle vache. Pierre Boulay tiré au premier. Pierre est avec la numéro 90, une Ethel, on rappelle un gars de l'Estrie, Watton, propriété de Bernardale, l'Île-du-Prince-Édouard, conduite par un Québécois. C'est comme ça dans le business à cette heure, les animaux se promènent, les vaches changent de propriété, mais c'est les meilleurs qui sont au chaud. On regarde la qualité de ça, puis... Ils ont le droit de se présenter dans les noirs. Je ne sais pas combien vont se présenter, parce que les noirs, c'est encore plus fort que ça, mais des vaches de qualité hein, qui pourraient peut-être compétitionner dans les noirs. Donc, le juge semble confortable avec la Avalanche, numéro 90. Elle est première maintenant. 87, deuxième. Une Apricot Red, une vache de l'Ouest, avec M. Schmidt, Orville Schmidt, qui est à la description avec David Chalek aujourd'hui en anglais. Bon feeling pour lui. Deux vaches différentes. Première, beaucoup de féminité, l'arrière-pied est exceptionnel. La deuxième, un beau chine, une vache qui est ouverte.
Winners in this four-year-old class, which is sponsored by PrevTech Innovations. Les gagnants de la classe de 4 ans, qui est une commandite de PrevTech Innovation. First and best daughter, number 90. Première et meilleure pile, numéro 90. Etel Pam Avalanche Red, owned by propriété de Bernadale Holsteins. Second, best bred and owned, number 87. Deuxième, ainsi que meilleure propriété élevée, numéro 87. South Rise Avocado Jacob, owned by propriété Orville Schmidt and R&F Livestock. And third, number 91, troisième, numéro 91, Vogue Loyola Macy Red, owned by propriété de North Pole Genetics. Okay. Donc, bonjour encore une fois, Paul Thibodeau avec vous autres aujourd'hui pour la description de la web diffusion. J'ai avec moi James Peel. Salut, James. Bon matin, Paul. Plaisir de te voir. Tu as commandité la dernière classe. Tu es avec Vito Quignol, James. Oui, effectivement. Ça fait une couple d'années que Vito Quignol ont commandite une classe dans le rouge et blanc. Et puis, c'est toujours un plaisir. Puis, j'aimerais féliciter tous les exposants, bien sûr, la championne, les propriétaires de la championne éleveur, de la championne intermédiaire, mais aussi tous les exposants qui participent aujourd'hui. Merci, James. On va regarder les raisons du juge, puis on reviendra après pour choisir un petit peu où c'est que tu en es, puis comment tu apprécies le show aujourd'hui. Parfait. Fait qu'il y a quelqu'un qui donne le signe à la bas, c'est non, toi qui... Trop, c'est ça, c'est lui, là, il y a un micro à I just love the overall balance and femininity of this cow to win the four-year-old class today. Giving her an advantage in her femininity, her breed character, her cleanness up through her head region. A cow that carries her pins down a lot nicer when she walks and just moves out a little freer on her feet and legs here today than our big, powerful cow we have in second. Second over third, just more cow. More overall length. More overall depth than our recently fresh third calver we have in third place. Third place cow uses her udder. She's longer of her udder, she's tighter of her fore udder, and higher at the top of her rear udder than this nice cow we have in fourth. Fourth place cow, just a little more cow, a little taller at the point of her shoulder, just showing us a little more bloom than our fifth place cow here today. Thank you. La gagnante de la classe des 4 ans pour le juge Farlinger. C'est la vache qui démontre le plus d'équilibre, le plus de balancement. Une vache qui montre beaucoup de féminité, une vache qui se déplace mieux aujourd'hui. Une vache aussi qui démontre une meilleure définition de son ligament suspenseur. En plus de démontrer une meilleure position de ses ischions par rapport à la grosse vache, très massive et très puissante qui se présente en deuxième. Cette vache en deuxième l'emporte pour son ouverture de côte, sa profondeur et sa longueur par rapport à la vache avec l'excellent système mammaire qui se présente en troisième place. C'est son système mammaire avec la hauteur et la largeur de son arrière-pied, la qualité de son attache avant qui donne l'avantage à cette vache en quatrième par rapport à la vache en cinquième place. Et la vache en quatrième l'emporte sur la vache en cinquième. C'est une vache qui démontre plus d'ouverture aujourd'hui, plus de longueur dans son système mammaire, plus de masse en général par rapport à la vache en cinquième place. The results of the four-year-old class following your catalogs, it is done la classe de 4 ans suivant dans vos catalogues.
Number 87, the second and best bred and owned. 87, oui, oui, deuxième, ainsi que meilleure propriété oui, élevée. Absolument. 88 oui. is fourth. 88, oui. quatrième. Oui, 89 is sixth. Oui, 89, sûr, sixième. Number 90 is first and best utter. 90 is première ainsi que meilleur prix. 91 is third. 91 troisième. 92 is seventh. 92 septième. Number 93 is fifth. 93 cinquième. Seven head were shown in the class. Sept têtes furent exposées dans la classe. His five-year-old class is sponsored by Innis Lake Holsteins. Alors, cette classe de 5 ans, c'est une commandite de Innis Lake Holsteins. On n'aura pas bien de temps pour jaser pendant la classe de 5 ans. James? Oui, ça va être cool. On en a Harrison, hein? Quand on parle des vaches laitières, celle-là l'est. À date, tu as aimé la présentation des vaches, les jugements? Ah. Comment est-ce que tu trouves ça ce matin? Ah, c'est toujours un plaisir de voir le résultat d'un travail qui est un travail à long terme, hein, qui se fait pour arriver à des vaches à ce niveau ici. Puis nous, en tant que spectateurs, voir ça sur le côté du ring, c'est un plaisir. Là, c'est du eye candy, comme on dit, pour les amateurs de vaches. Puis, winner of the five-year-old class, gagnant de la classe de 5 ans. First and best utters, number 94, première et meilleure pied, numéro 94. Miss Stransholm, Georgie Red, owned by a propriété de Ferme Intense Incorporée et Ferme Boulay. Just one entry in our five-year-old class here today, but a really nice, tall-fronted, beautiful uttered cow to win the class. Thank you. Une seule vache qui compétitionne dans la classe de 5 ans dans les rouges et blanches. Une vache que M. Farlinga décrit comme une vache avec un excellent système mammaire. James, on oui. voulait jaser avec toi un peu, savoir qu'est-ce qui était une nouvelle de ton côté. Tu disais que tu étais avec Vito Kinal, occupé pas mal avec ça. Oui, Paul, écoute, c'est une belle année, une année pleine de défis comme tout le monde connaît depuis 2 ans, mais on s'en sort très, très bien. Puis on est chanceux d'avoir le support des producteurs et des vétérinaires au Québec depuis bien des années. Vito Kinal s'est bien implanté ici au Canada. C'est une des plus importantes filiale, en fait, dans le monde entier. Puis, tu sais, pour les gens qui connaissent un peu moins Vito Kinal à la base, mais c'est une entreprise familiale, troisième génération. J'ai la chance de fréquenter les gens qui sont au cœur des décisions. J'y participe aussi personnellement. Fait que c'est un plaisir de travailler dans cette entreprise-là. Puis aujourd'hui, notre présence dans un événement comme celle-là, puis comme d'autres qu'on a au Québec, puis au niveau national, c'est de se rapprocher de nos clients utilisateurs, les producteurs.
Tu as beaucoup d'expérience dans le business, James. On s'est rencontrés les premières fois dans des étapes en clippant des jeunisses il y a longtemps. Hey boy! C'était pas mal. Tu là, Paul? Oui. Après ton cours au Collège McDonald, ouais. Tu as fait beaucoup de métiers, tu t'es promené d'un show, mais tu es allé faire un bout en Europe. Tu as encore des amis là-bas, j'imagine. Quelles sont les nouvelles de l'Europe? Puis si tu peux nous amener sur la comparaison un peu des populations de rouges qu'on a au Québec maintenant, puis ce qui se passe là-bas? Oui, absolument. J'ai eu l'opportunité de vivre 5 ans, une expérience enrichissante pour ma famille puis pour moi comme professionnel en Belgique, entre autres. Fait l'ouest de l'Europe, l'Autriche, l'Allemagne, Pays-Bas, la Belgique, la France, c'est tous des pays où il y a des bonnes populations de vaches rouges et blancs. En fait, fait un très, très bon noyau là. Puis comme là-bas, ici, on a vu l'austinisation de la rouge et blanche, hein, fait qu'on a essayé de sélectionner pour de plus en plus de production puis du raffinement. Fait que ça l'a fait évaluer la austin en robe rouge des deux côtés de l'Atlantique. Parce que la rouge là-bas, il n'y avait pas rien que la rouge à deux fins. At this time, ladies and gentlemen, I'd like to draw your attention to the ring as we have the president of Holstein Canin, co-owner of Ferme d'Albisson, Élie Gendron, that will speak. Alors, à ce moment-ci, j'aimerais que la parole, donner la parole à Élise Gendron, présidente d'Austin Canada, ainsi que copropriétaire de la ferme Val-Buisson, qui va vous adresser quelques mots. Bonjour à tous. Il me fait plaisir, au nom du conseil d'administration, de vous souhaiter la bienvenue à vos jugements nationaux. Réaliser un événement de cette ampleur afin de faire rayonner l'élevage canadien relève du défi. Je tiens à souligner le travail exceptionnel du comité organisateur, Nancy B. Ward, Kim Côté, Harry Eckstein, David Chalak, Erika Enright, Kevin Jacobs et John Raymond Dextra. Merci aux exposants de partout à travers le pays pour leur confiance et de s'être déplacés en si grand nombre. Bienvenue aussi à nos amis exposants des États-Unis. À tous les spectateurs présents à l'écran et sur le site en ligne, c'est un plaisir de vous compter parmi nous. Nous espérons que vous profitez pleinement de l'expérience. Bienvenue aussi à tous les spectateurs internationaux. Un tel événement ne peut être possible sans le support de nombreux commanditaires. Merci à chacun d'entre vous. Je tiens à souligner le support de notre commanditaire principal, CIMEX. Aujourd'hui, nous célébrons la Holstein canadienne et nous conclurons cette semaine de festivités avec le gala des maîtres éleveurs 2019 et 2020. Je ne peux oublier que nous sommes ici et qu'on s'amuse, mais qu'on a des collègues et amis producteurs dans l'Ouest qui vivent des moments terribles avec les inondations. Je tiens, en notre nom à tous, à vous transmettre notre support. Merci à tous et bon jugement. So my name is Élise Gendron, President of Holstein Canada. It's my pleasure on behalf of the Board of Directors to welcome you to our national show. It is a challenge to organize an event of this size to promote Canadian genetics. I would like to acknowledge the exceptional work of the organizing committee on a so short time. Nancy B. Ward, Kim Côté, Harry Eckstein, David Chalak, Erika Enright, Kevin Jacobs, and John Raymond Dykstra. Thank you to the exhibitors from across the country for their confidence and for coming in such a large number. Welcome to the exhibitors from the United States. To all the spectators on the screen and on site, it's a pleasure to have you with us. We hope you enjoy the experience. Welcome to all international spectators. An event like this would not be possible without the support of many sponsors. Thank you for your support. I would like to acknowledge the support of our main sponsor, CIMEX. Today we celebrate the Canadian Holstein and we will conclude this week of festivities with the 2019 and 2020 Master Breeders Gala on Saturday evening. I can't forget that we are here and fellow producers and friends in the West are experiencing terrible events with the flooding. I want to extend our support to them on behalf of all of us.
Thank you and have a good show. On peut reprendre la discussion, James, je m'excuse un peu. Hein, pour l'animation, des fois, on se fait couper. Il y a bien du monde. C'est dur de tout surveiller en même temps. On regarde les vaches parce qu'elles sont bien belles. Et les gendrons qui nous ont fait le mot de la présidente. Donc, on parlait un peu des populations de rouges en Europe. Rapidement, comment tu compares ça à ce qui se passe ici maintenant? Oui, c'est ça. Comme je disais, ça austinise, c'est-à-dire que les gens sélectionnent, évidemment, pour la production, la conformation. Il y a un bassin de rouges, évidemment, beaucoup plus important en Europe, évidemment, comme je mentionnais, des différents pays. Mais tout comme ici, les gens de l'Europe, c'est des passionnés des bonnes vaches. Les Suisses, entre autres, depuis quelques années, sont comme en tête de liste en Europe. Là, c'est à la base, c'est des gens qui ont un très bon stockmanship, comme on dit en anglais. Là, c'est le don, l'habilité de bien prendre soin de ses vaches et tout ça. Les troupeaux sont moins gros, fait que le focus est mis sur l'attention donnée à chaque vache, son confort. Tout ça. Fait que, donc, c'est des gens qui aiment les vaches, beaucoup comme au Canada, bassin d'éleveurs qui sont passionnés. Il y a beaucoup de similarités entre les deux continents. Une chose qui est sûre, c'est qu'en Europe, ça fait longtemps qu'ils sont des pays communs, proches l'un de l'autre, ils échangent d'informations. Fait qu'au niveau des animaux, il y a cette dynamique-là qui doit être intéressante aussi. Hein? Oui, absolument. De l'autre côté, ils ont le défi sanitaire que nous, on n'a pas. T'sais. Nous, on a un très grand pays, mais on est tous sous, quelque part, un régime sanitaire. L'Europe, organiser un concours, là, c'est un moyen challenge parce que, t'sais, si tu veux t'en aller, par exemple, à la Swiss Expo ou tu veux t'en aller en Italie pour un concours européen, mais les vaches, il faut qu'ils soient mis en quarantaine à l'avance puis sont en quarantaine au retour. Fait que c'est des défis que nous, on n'a pas ici, là, comme tel. Là. Exactement. La fièvre est quand même là, puis des éleveurs, des passionnés, il y en a toujours eu. Tu as travaillé au Austin Québec pendant un bout. On a eu l'occasion de le faire ensemble. Oui, comment tu vois l'évolution de la Austin au Québec, peu importe la couleur, puis au Canada, c'est une belle évolution. Oui, c'est sûr qu'il y a bien des experts sur le sujet, puis effectivement, on peut être très, très fiers du travail qui est accompli par les éleveurs, les producteurs. Ici, on voit une fraction de ce qui représente, évidemment, la production laitière, mais c'est un moteur, c'est un véhicule pour véhiculer la passion d'élevage. Mais de l'autre côté, je pense que ce qui... c'est une chose que je remarque depuis toutes ces années-là, c'est l'entourage, l'encadrement aussi qui est disponible pour les producteurs laitiers, les éleveurs. Tout l'accès aux experts conseils, que ce soit des vétérinaires, des nutritionnistes, des spécialistes en génétique, tout ce support-là qu'il y a autour pour permettre à l'éleveur d'utiliser tous ces outils-là pour faire avancer. Effectivement, on est un pays développé, puis développé tant que ça au niveau des races, le partenariat canadien. Puis comme tu dis, aujourd'hui, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est de l'appliquer parce que l'information, la connaissance, la recherche est très, très forte. Hein? Oui. Le regroupement maintenant de l'ACTANET, une agence de contrôle laitier national avec le réseau laitier canadien, c'est une force qui est assez intéressante pour les éleveurs. Hein? Oui, c'est en fait... convertir des données en information, en information utile pour pouvoir prendre des décisions. Je pense que c'est ça qui est clé parce qu'on est dans l'âge où ce que tout est à un doigt. On a plein d'informations, on est bombardé. Il s'agit d'avoir des bons outils pour être capable de cibler les informations qui nous permettent de prendre des bonnes décisions, là, effectivement. On arrive au line-up final de cette classe, pas tellement nombreuse des vaches adultes, mais... Ils n'ont pas l'air des vaches adultes tant que ça, avec les qualités de pie qu'on voit là. Hein? C'est phénoménal la progression qui s'est faite dans les pies, dans la race aussi. The results of the mature cow class. Les gagnants de la classe de vaches adultes, which is sponsored by Beinert Holsteins, and commandite de Beinert Holsteins. First, best bred known and best daughter, number 95. Première meilleure pie meilleure propriété élevée, le numéro 95. Jolie Bois Fatal Addiction, owned by propriété de Fevrolandial Understry. Second, number 96, deuxième numéro 96, Le Perron Dresser Seductive, owned by propriété de Danny Germain et Ferme Gilles Lapointe et fils SENC. Third, number 97, troisième numéro 97, Kerrville ABS Adored Red, owned by propriété de CLF LLC. And fourth, we have number 98, quatrième numéro 98, Jolie Bois Absolute Fantasy, owned by propriété de Ferme Rolandal Understry.
Bien, c'est le fun pour Roland et sa famille. Angeli Bois qui est en première position, numéro 95. Ouais, belle Addiction. Classe. Belle classe. Pas beaucoup de vaches, mais vraiment des vaches très équilibrées, des super beaux pieds là, qui se déplacent. A beautiful, stylish dairy cow to win this age cow class here today. A cow that uses that style, that ring presence, and also just moves quite a bit freer around the ring on her rear legs here today than our second place cow. Second place cow, a cow that fits in with our winner. She's the same scale, she has that same femininity, and she just uses her width of her mammary system. She's wider and more snugger of her attachments, both fore and rear. And just showing us a little more definition of seam and balance to our mammary system over our big, powerful cow we have in third. Third place cow just overpowers our fourth place cow. She's more cow all the way through her chest, through her rib, and just her overall length over this nice uddered cow we have in fourth. Thank you. Les raisons du juge Farlinger pour l'Atlas de vache adulte. Il l'emporte avec une belle vache qui est très, très élégante, très stylée. Une vache qui se déplace mieux aujourd'hui, surtout au niveau de ses membres arrière. Une vache qui se positionne mieux aussi sur ses membres arrière que la vache avec l'ex-système mammaire en deuxième place. La vache en deuxième l'emporte sur la vache en troisième. Au niveau de son système mammaire qui est plus ferme, qui est mieux attachée, plus solide que la vache très puissante qui se présente en troisième place. La vache en troisième l'emporte sur la vache en quatrième. Une vache qui est plus ouverte, plus puissante, plus large dans son ensemble que la vache avec le très bon système mammaire en quatrième place. Bien, James, on arrive au championnat. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes. On a jasé de choses et d'autres, mais c'est sûr qu'il y a une grande compétitivité au niveau du show, au niveau des producteurs. Il y a des grands défis, puis je me rends que tu es content de faire partie de ça. Absolument. Merci, Paul, pour l'opportunité. Puis je souhaite bonjour puis bonne continuation à tous ceux qui nous écoutent, qui regardent le spectacle aujourd'hui. Profitez-en bien du confort de votre salon, de votre grand écran. Et puis, en espérant qu'on va tous pouvoir se retrouver dans une normalité éventuellement, là, ça va être bon. Ça fait du bien au moral à tout le monde, je suis sûr, de se revoir en tête à tête, comme on dit. Là. C'était toute une aventure. Une chose qui est sûre, c'est qu'on s'est aperçu de ce qu'on a manqué. Puis la chaleur humaine, ça trouve sa place. Hein? Absolument, absolument. Merci, James. Ouais. Bon jugement. Là. Ciao. Merci.
Donc, on arrive vers la fin de notre show. Dans les rouges et blancs. Troupeau d'éleveurs maintenant. Le préfixe Etel, la ferme Etel de Watton. Et certainement l'édition qui est Jolibois, ferme Rolandelle. On vous revient dans quelques minutes pour plus de détails. The winners in the Breeders' Air Class, gagnant dans la classe de troupeau d'éleveur. First, préfix Etel, la ferme Etel Austin. And second, deuxième, Jolibois, ferme Rolandelle, enregistré. Two really nice breeders herds out here, close placing, just giving our group on top a slight advantage, just a little more width, a little more bloom to their mammary systems here today, maybe just a little nicer down through their hock region on a couple of these cows, and our outstanding group in second, cows with a lot of style and ring presence. Thank you. Deux excellents groupes, selon la description de Monsieur Farlinger pour le troupeau d'éleveurs. Donne un placement assez serré, mais donne l'avantage au groupe en première place. C'est des vaches qui démontrent plus de largeur dans leur système mammaire. Des systèmes mammaires qui sont un petit peu plus vivants, en plus de démontrer un peu plus de netteté au niveau de leur jarret par rapport au groupe en deuxième place qui démontre des vaches qui sont extrêmement stylées et très ouvertes. Thank you.
For those of you joining us on the live stream, we will now be having a short video by one of our sponsors, Solio. Alors pour ceux qui nous rejoignent en ligne, nous allons maintenant avoir un petit vidéo de nos commanditaires principaux, Solio. Prendre quelques instants pour vous parler de notre juge dans la race Austin Rouge et Blanc aujourd'hui, Mike Farlinger. Mike vient de Morrisburg en Ontario, Signature Austin, un troupeau de 55 vaches, 400 acres. C'est sûr que c'est un gars qui est passionné par les vaches, les génisses, qui excellent en conformation. On en trouve sur tous les terrains d'exposition en Amérique du Nord, ils sont présents, actifs. Il a élevé ou possédé plus de 30 nominations All Ontario, All Canadian ou All American. Point culminant de sa carrière a été l'élevage des deux championnes juniors au Canadian TD 4-H Dairy Classic en 2001. Donc, c'est assez spécial dans l'événement, dans la vie d'un éleveur. Mike est également un éleveur réputé de chiens de race berger allemand, enregistré. Il exporte ça à travers le pays. Dans ses temps libres, c'est un gars qui aime à s'occuper de la prochaine génération, s'intéresse aux expositions, aux soins du bétail. Il a consacré 15 ans à être un leader chez les 4H, donc quelqu'un qui est impliqué. Il a jugé beaucoup de shows à travers le Canada, y compris l'Ontario Summer Show, le comté de Perth-Waterloo, le comté d'Ontario, le comté de Frontenac, le Quint Championship Show, le comté de Prince Edward, le comté de Granville, fait qu'il a fait avec le comté de Stormont, pas mal de tours de l'Ontario. Il a jugé à Brome au Québec et également sur l'île de Vancouver. Donc, Mike Farlinger, qui était notre juge pour les Rouges aujourd'hui. Et la traduction est assurée par Rémi Gué. La parade de championnat de meilleure propriété élevée. We'll now proceed to the best bred and owned parade. Notre gagnant de la classe de 3 ans junior, our winner in the 3-year-old class, junior 3-year-old class, number 79, 79, Premium Addiction P. Daisy, owned by Propriété de Ferme Intense Incorporé, Ferme Jacob Incorporé et Francis Morneau. Winner from the senior 3-year-old class, gagnant de la classe de 3 ans senior. Number 83, numéro 83, Jolibois Féline Avalanche, owned by Propriété de Ferme Rolandel Enregistré. Our winning 4-year-old, gagnant de la classe de 4 ans. Number 87, numéro 87, Southrise Avocado Jacob, owned by Orville Smith and R&F Livestock. And our winner in the mature cow class, gagnant de la classe de vaches adultes, number 95, numéro 95, Jolibois Fatal Addiction, owned by Propriété de Ferme Rolandel Enregistré. Once again, show your appreciation for the exhibitors, the breeders, and the judges' work. Encore une fois, une bonne main pour les éleveurs, les exposants, ainsi que le travail du juge.
During the shows today and tomorrow, there is a jackpot class prize money, which has been sponsored generously by Agribear Societe Agricola. There will be a $200 prize, random draw amongst each class, and the prizes will be mailed out to the exhibitors after the end of the show. Alors, durant l'exposition ici aujourd'hui ou demain, il y a une commandite d'Agribear Societe Agricola. C'est une commandite de $200, un tirage au sort dans chaque classe, et que les prix seront envoyés aux exposants après l'exposition. Donc pour notre championnat propriétaire élevé. Four really nice cows out here for our bred and owned champion of the red show here today. Cows that all did really well in their respective classes. Cows we admire for their mammary systems, their overall dairy style. I'm going to go out and select my overall bred and owned champion of our red show here today. Donc, le choix du juge, notre premier vache adulte. Les commentaires du juge Farlinger pour le choix de la championne propriété élevée. Quatre superbes vaches avec d'excellents systèmes mammaires. Il va aller de ce pas choisir la championne propriété élevée du concours rouge et blanc. Donc, on a notre deuxième 4 ans, le numéro... Hey, 95, joli bois. Première vache adulte, une fille de Addiction. I just really love this age cow here today, a cow that moves really freely around the ring, a cow that has an abundance of dairy style and femininity, and just a beautiful mammary system, a cow with a really deep seam, a cow with a lot of width and quality to her udder. Definitely a very deserving breeder's champion here today. Thank you. Le choix de la championne, propriété élevée pour le juge Farlinger. Une vache qui apprécie énormément pour une vache qui démontre beaucoup de style et de féminité. Une vache qui possède un excellent système mammaire, qui se déplace extrêmement bien. Une vache qui mentionne aussi qu'il y a un ligament suspenseur très profond. Donc, une vache dans son ensemble là, qui est très appréciée du juge Farlinger. Therefore, champion bred and owned goes to number 95, La Championne Propriété Élevée, numéro 95, Joli Bois Fatal Addiction, owned by Propriété de Ferme Rolandale, Honors Street. We will now proceed to our Grand Champion Parade, alors la parade du Grand Championnat, starting with our intermediate champions, nos champions intermédiaires. Intermediate champion goes to number 74, La Championne Intermédiaire, le numéro 74, Blondin RD Unstoppable Maple, owned by propriété de Kevin Dalbriner, William Schilling, and Lindsay Bowen. Our reserve is number 421, en réserve, numéro 421, Aja Avalanche Kayla, owned by propriété de Agribear Societe Agricola,
Beckridge Holsteins and Quality Holsteins. Our winning pair, 4-year-olds, gagnant de la classe de 4 ans. First was number 90, Première numéro 90, Etel Pam Avalanche Red, owned by propriété de Bernadale Holsteins. Second, number 87, deuxième numéro 87, Southrise Avocado Jacob, owned by propriété de Orville Schmidt and R&F Livestock. Our winner in the 5-year-old class, gagnant de la classe de 5 ans, was number 94, numero 94, MS Stransholm, Georgie Red, owned by propriété de ferme Intense Incorporée et Pierre Boulet. Concluding with our winning pair, mature cows, des gagnants de la classe de Val Chaldur. First was number 95, Première numéro 95, Jolie Bois, Fatal Addiction, owned by propriété de Ferme Rolandal, enregistré. Second was number 96, deuxième numéro 96, Le Perron Dresser Seductive, owned by propriété de Danny Germain et Ferme Gilles Lapointe et Fils, SENC. Once again, ladies and gentlemen, show your appreciation to the breeders, the exhibitors, and the judges' work. Encore une fois, une bonne main pour les éleveurs, les exposants et le travail du juge. Vraiment un groupe exceptionnel hein, pour le championnat d'Allier Rouge et Blanc aujourd'hui. Deux ans senior qui est la championne intermédiaire, la trois ans junior réserve intermédiaire. On a ici aujourd'hui les 2-4 ans. Une avalanche chez Etel, propriété de Bernardale, une Southrise, qui est le deuxième 4 ans, numéro 87. Numéro 94, première 5 ans, ferme intense et Pierre Boulet, seul dans sa classe, mais une vache de qualité, bien sûr. Et on a les deux vaches adultes. Une de Femme Rolandelle, une Addiction, et une Le Perron, deuxième vache adulte, numéro 96, propriété de Femme Gilles Lapointe et Danny Germain. Following this championship class, we will resume with the black and white heifers starting at 11 o'clock this morning. So we will have a short break and resuming again at 11 o'clock. Alors, suivant cette classe de championnat, nous allons continuer avec les jeunesses noires, mais qui débuteront à 11 heures ce matin. Alors, un petit break entre, ils nous débuteront à 11 heures. And if people are looking for something to eat, there are two food trucks outside. Juste pour votre information aussi, il y a deux food trucks dehors si vous cherchez de quoi manger. Donc, notre juge retient pour la sélection finale, pour son choix des championnes, la championne intermédiaire, la 2 ans senior, Unstoppable. La réserve intermédiaire, première 3 ans junior, 421, une addition au catalogue, une avalanche, conduite par Éric Dupasquier. On y va avec la première 4 ans, une Etel Watton, Québec. Propriété de Bernardale de l'Île-du-Prince-Édouard, la première 4 ans d'Avalanche.
Et on regarde la vache adulte, femme Rolandale. Une addiction, donc choix parmi quatre pour le juge. Ça va être le point culminant de notre championnat des rouges, de notre jugement des rouges et blancs aujourd'hui. Et on va commencer avec les noirs à 11 heures. Definitely a little different here today. It's not often we judge our cows before we judge our heifers, but we've all probably experienced something quite a bit crazier than this because of COVID. These are four cows I've selected and brought out here for our grand champion, cows that I really admire. My kind of cows, dairy, feminine cows, cows that move well, hard-topped cows with wide, capacious, veiny udders. I'm going to go out and I'm going to select my champion, my reserve, and my honorable mention. And I hope you give them a real big round of applause because they're all very outstanding and very worthy of the acclamation. Therefore, Grand Champion goes to number 74, La Grande Championne numéro 74, Blondin RD Unstoppable Maple, owned by propriété de Kevin Dalbriner, William Schilling, and Lindsay Bowen. With the reserve going to number 90, en réserve de numéro 90, Ethel Pam Avalanche Red, owned by propriété de Bernardale Osteen. An honorable mention to number 421, Mention Nadale numéro 421, AJ Avalanche Kayla, owned by propriété de Agribert Societe Agricole, Beckridge Holsteins and Quality Holsteins.
Donc, les grandes championnes dans le rouge et blanc aujourd'hui, la Unstoppable avec le préfixe Blondin, qui était notre championne intermédiaire, qui gagne le grand championnat. Deux ans seniors, réserve, conduite par Pierre Boulay. C'est une Ethel, préfixe québécois de Watton, propriété de Bernardelle, Île du Prince-Édouard, premier 4 ans d'Avalanche. Et la réserve et la mention honorable, c'est l'addition au catalogue, le numéro 421, également une fille d'Avalanche. Super championnat. Bien, les gradins vont se remplir un peu ici. J'imagine que vous allez revenir pour regarder la classe, les classes de jeunesse noire. On redébute. Our honorable mention cow is also the production award winner with a two-year record of 11,480 kilos of milk, 3.7 fat, 3.3 protein for a BCA of 300, 299, 304. Combined total BCA of 903. Alors, notre mention honorable est aussi la meilleure, la gagnante de classe de production, avec une production à deux ans de 11 480 kg de lait, 3.7 de gras, 3.3 de protéines, pour un MCA de 300, 299 et 304, et un total de 903. As I said when I made her intermediate champion, I just love this senior two-year-old. A cow that's had two calves at 36 months and comes out and looks like this is just truly impressive to me. I give her an advantage. She's a little longer up through her neck, maybe just a little longer all the way through. And that length carries back through her mammary system. She's a little more total length to her mammary, especially through her fore-udder region. Beautiful, beautiful cow for reserve. This four-year-old, and it's again, it's a mammary placing for me here today. A cow that's a little higher and wider and a little bloomier at the top of her rear udder. Just prefer the way the teats are underneath her forequarters a touch and the length of her forequarter, especially on the show side over this beautiful cow we have for honorable mention. A hard-top dairy cow that you just truly, truly admire her working parts. Congratulations to all our breeders and exhibitors. And we'll look forward to seeing the heifers tomorrow. Thank you. Des vaches que M. Farlinga admire énormément pour le choix de ses trois championnes. Il revient sur le même commentaire qu'il a fait plus tôt dans le championnat intermédiaire. Une jeune vache qui a déjà vêlé deux fois, deux ans senior, deuxième veau. Tout à fait remarquable. Donne l'avantage à cette jeune vache pour la longueur de son cou, pour la longueur dans son ensemble, par rapport à la réserve, qui est une vache qui a un système mammaire tout à fait exceptionnel. Donc, il mentionne que ce sont une championne, une réserve avec des systèmes mammaires d'exception. C'est pour la hauteur et la largeur de son système mammaire, la position de ses trayons dans ses quartiers par rapport à la vache mention honorable qu'il a choisi la réserve aujourd'hui. Et il apprécie énormément la vache qu'il utilise comme mention honorable, une vache qui est extrêmement solide dans sa dorsale, une vache qui est très fonctionnelle et qui se déplace très bien. Donc, en fait, trois excellentes vaches. Et puis, M. Farlinger a déjà très hâte au concours de jeunesse qui se présentera demain matin.